Connecter les données et la recherche aux politiques pour transformer le secteur agricole, c'est ce qui a réuni chercheurs, dirigeants d'organisations non gouvernementales, partenaires au développement, représentants du secteur privé et bien d'autres à l'édition 2021 du Forum EPAC. Ce cadre de dialogue et de partage de connaissances entre acteurs de la recherche, décideurs politiques et praticiens du développement agricole répond à un besoin précis. L'interaction entre les chercheurs, bien entendu des centres de recherche, des universités et des instituts de recherche, pour ne citer que ceux-là, les politiques, donc les gouvernants et les municipalités, les praticiens du développement, organisations non gouvernementales, partenaires au développement, secteur privé et population à la base, sur les thématiques d'intérêt, notamment sur le sous-secteur ou la thématique de l'agriculture, reste encore faible. Pourtant, cette interaction me semble être indispensable pour orienter les chercheurs sur les questions de recherche, informer le secteur privé sur les innovations et ouvrir la voie pour leur valorisation, et en troisième position, fournit aux politiques les intrants nécessaires à la formulation de politiques éclairées, cohérentes, puis enfin, appuyer les praticiens à mettre en œuvre des interventions ciblées, efficientes et durables. Le réseau EPA, coordonné par ACED Bénin, vient alors apporter une solution idoine à ce déficit d'interaction. Le forum EPA est né du constat général qu'il existe un déficit de cadre d'interaction entre les chercheurs venus des différentes universités, des institutions de recherche, des cabinets d'études, les politiques au niveau central et au niveau des municipalités, et aussi entre ces différents acteurs et les praticiens, les organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain et qui mènent des actions. Pourtant, cette interaction reste indispensable pour orienter les chercheurs sur les questions d'intérêt, pour informer le secteur privé des innovations et ouvrir la voie pour leur valorisation, et pour fournir aux politiques les intrants nécessaires pour la formulation des différentes politiques. L'organisation de ce forum Évidence Politique Action, Forum EPA 2021, est à saluer et à accompagner car il s'inscrit parfaitement dans une dynamique de faire un arrimage cohérent entre les données probantes, les résultats de recherche et les politiques agricoles pour transformer le secteur agricole. Des discussions autour de diverses thématiques axées sur l'utilisation des données probantes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des interventions dans l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition ont meublé ces deux jours d'activité. Notre participation est que nous avons des données probantes provenant des résultats de recherche que nous avons. Et ces résultats de recherche nous permettent d'alimenter le forum par des informations statistiques que nous avons à partir des volumes d'argent que nous avons mobilisés pour financer la recherche et le développement, à travers le nombre d'acteurs que nous avons impactés dans le conseil agricole, à travers le nombre de jeunes que nous avons pu incuber, que nous avons pu accompagner dans le conseil agricole ou dans l'entrepreneuriat agricole. De cette interaction naîtra une grande avancée pour le secteur agricole.